Alors je vous montre un petit coup de Dark Souls. Alors notez bien le tournoi contre Edge SNES et sa commu. Ce sera donc on est bel et bien sur Switch. Le jeu est magnifique. Hein. Et le jeu est dur. Hein. Il est réputé comme étant un des jeux les plus durs. Je pense, j'ai battu des boss. En fait, dans le jeu, vous avez, vous pouvez tout gérer. C'est un espèce de RPG en fait. Hein. Vous pouvez tout gérer. Donc là, quand vous appuyez sur plus, vous avez un équipement. Vous choisissez l'équipement que vous voulez mettre. Donc là, je me suis mis cette hache. J'ai plusieurs haches dans mon équipement. Je dois choisir celle qui est la plus forte. Vous voyez que celle-ci, elle a une puissance de 95 avec à droite 172 de je ne sais quoi. Mais par exemple, en dessous, j'ai une hache de guerre. C'est celle-là que je devrais mettre en fait. Parce que regardez, elle est 250. Donc c'est celle-là que je devrais mettre. Voilà. J'ai mis celle-là. Elle a l'air plus puissante en fait. On a une lance qui fait 80 de dégâts, de puissance et tout. 3, je sais pas à quoi ça correspond, mais à droite, vous avez tout. Mais après, voilà, t'arrives à voir ce qui est bien ou pas. T'as pas besoin de, non plus de forcer. Donc là, vous avez vos stats, machin. Le jeu est super passionnant, j'adore. Là, mon personnage, c'est moi qui l'ai créé. Hein. Vous créez le personnage que vous voulez, hein, évidemment. Vous pouvez donc mettre le bouclier comme ça. Donc, alors, attendez. Hop, mettre le bouclier comme ça devant vous. Donc voilà, là, c'est moi qui maintiens la touche L. Mais si vous appuyez sur ZL, vous donnez un coup de bouclier. Si vous arrivez à parer un coup, tac, comme ça, avec le bouclier, vous faites le contre parfait. Et si vous faites un contre parfait, derrière, vous pouvez asséner un coup, mais un coup critique, en fait, directement. Vous voyez qu'il y a une jauge de fatigue. En haut, quand je donne un coup de hache, la jauge, elle baisse. Voilà, elle baisse un peu. Si je donne un gros coup de hache, elle baisse. On peut aussi courir dans le jeu, là, je vais vous montrer. Hop, là, je peux courir. Là, il y a des mecs en face. Et ils sont trop nombreux, donc je vais essayer d'en faire venir un là-bas. Vite fait. On peut lock l'ennemi. Donc là, je les lock. Alors lui, il m'a touché, il m'a fait mal. Vous voyez qu'en bas, j'ai une fiole de vie, je peux boire. Hop, ma vie, elle remonte. On va lock celui-là, plutôt. Donc là, je vais donner un petit coup. Alors, on peut porter son arme à deux mains. Donc là, je porte... Vous voyez que mon arme, je la porte de la main droite et j'ai le bouclier à gauche. Si j'appuie sur X, hop, je mets... J'ai ma arme, je tiens mon arme à deux mains. Sauf que j'ai peu de bouclier maintenant, mais... J'inflige beaucoup plus de dégâts quand je frappe, évidemment. Voilà. Donc là, je peux remettre en mode comme ça ou en mode comme ça. Faut choisir. Franchement, le jeu est super bien foutu. J'ai halluciné. Donc là, j'ai bloqué. Et je vais redonner un petit coup derrière. Il est mort. Voilà. Je vais essayer d'avancer un peu dans le jeu, mais le jeu est super dur. Les boss sont titanesques. Ils sont durs à battre. C'est du die and retry, hein, les boss. Hein. Il est mort. Voilà. Dark Souls, les mecs. Franchement, une tuerie. Il y a un ennemi, là. Il est vénère. Voilà. Alors, et en plus de ça, il n'y a pas de map dans le jeu. Tu vois, c'est dur, sa mère. J'ai ragé, j'arrête pas de recommencer, mec. En fait, faut y aller doucement. Hein. Faut y aller doucement. Ah, là, le mec, comment il arrive, là? C'est quoi, ce délire? Tu vas crever, ouais. Bon, 80... En fait, ma hache, elle fait masse dégâts. Ah, oh, j'avais le bouclier, heureusement. Il a balancé une bombe. Oh, mais il est relou, lui! Oh! Il m'a esquivé! Tu crèves. Donc, faut faire gaffe, il y a des archers en haut, ils tirent des flèches, et ça te fait des dégâts. Donc, faut monter, faut aller buter les archers, en fait. Ouais, attends, j'y vais avec la caméra. Ah, oh, il m'a touché! Casse-toi! Dégage! Voilà. Donc là, il y a des mecs en bas. Wow, 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 wow. Oh, il y a son pote derrière. Quand ils sont deux, c'est chaud. Je vais lire vos messages, hein, vous inquiétez pas. Aïe, 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 il faut pas frapper en même temps que lui. Oh, vous avez le son du jeu, je peux le monter encore un peu. Hein. Voilà. Oh, lui, il a pas l'air de vouloir se battre. Aïe, aïe, aïe! Ok, il est mort. Oh, il y a des indices, là. Vous savez, ce petit truc-là, c'est un indice. Hein. Piège incroyable. En fait, c'est des mecs qui mettent des... Oh! Il est mort. On va courir un peu. Ok. Alors, vous avez aussi le pouvoir. Vous voyez, en bas, j'ai une fiole. En haut, vous voyez, boule de feu. Alors en fait, avec la touche L, non, c'est pas la touche L, c'est avec R. Avec la touche R, quand je, là je peux choisir, vous voyez, je peux choisir la hache ou le pouvoir.
Moi, j'ai pris la classe feu, je sais plus comment il s'appelle, pyromane, je crois. Et tu peux tirer à distance des boules de feu comme ça. Et ça, c'est cheaté contre les boss. Franchement, c'est cheaté contre les boss. Là, je peux descendre, mais en bas, il y a un boss qui me défonce avec une massue. J'ai pas envie de descendre, donc je vais monter. Parce que je suis allé en haut et j'ai battu un boss titanesque en haut. Il s'appelait le démon taureau, je crois. Démon taureau. Je l'ai explosé avec les boules de feu. Franchement, en 2-3 tries, 4 tries peut-être. Voilà, c'était ici. Je l'ai fumé, il était là, le boss. Je l'ai fumé, là, c'était ici. Il est plus là, il est mort. Ah, je lis vos messages, il y a plus grand monde, hein, du coup. C'est pas mieux Skyrim, Sam, je préférerais, moi, je pense. Franchement, j'ai jamais testé, donc je sais pas. Mais celui-là, j'ai accroché de ouf, mec. Mais quand je te dis j'ai accroché, genre, je suis à fond dedans. J'adore ce jeu, mec, c'est jouissif. C'est jouissif. Tu vois, c'est... je suis en train de gaspiller mon pouvoir, mais bon. En fait, faut mieux mettre là. Ah, il me reste que 5 boules de feu, parce que c'est compté, vous voyez, en haut. Enfin, en haut. En bas, à gauche de l'écran, vous voyez, il y a mes pouvoirs, hein, que je peux assigner à la croix directionnelle. Non, franchement, j'ai accroché de ouf. Et j'avais essayé Skyrim, j'avais pas accroché, justement. Hein, celui-là, il est vraiment ouf, quoi. Et sur Switch, t'as vu comme il est fluide ? Ouais, on est sur Switch, frère. Donc là, je suis coincé ici. Il y a un dragon en face de moi, là-bas. Ce dragon, quand je m'approche, il me tire du feu. Alors ça, c'est mon stuff, ça. Ça, c'est le stuff que j'ai perdu la dernière fois que je suis mort ici. Bon, j'ai récupéré tout mon stuff, mes âmes et tout. Ok, là il y a un dragon en face et il envoie du feu, mais sur toute tout le pont. Là je suis sur un pont. Des fois il se vénère, il envoie du feu de façon aléatoire. Je comprends pas en fait. J'ai peur d'avancer. Si j'avance, il y a peut-être et je meurs en une frame. Je sais pas comment on fait pour voir quand il tire du feu en fait. Putain, je vais vous montrer le pouvoir du feu justement. Tu vois le mec il. Oh, et là il avait le bouclier. Oh, il m'a envoyé. Regardez ma barre, elle est vide. Il m'a vu. Voilà, il envoie du feu, je suis mort. Il envoie du feu, je suis mort. J'ai pas compris. C'est de façon aléatoire. C'est de façon aléatoire, je comprends pas. Voilà. C'est que tu n'esquives pas. Ah oui, mais l'esquive, elle est trop lente. Ouais, t'infliges plus de dégâts et t'es plus lent. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est pas un tuto. Mais je vous explique le jeu. Ah, t'as vu comment... Non, mais le jeu est propre. Il est bien optimisé. On dirait... J'ai cru que c'était du 60 FPS. Mais en fait, non, il est en 30, hein, le jeu, mais c'est un 30 ultra stable, quoi. Donc tu vois, t'as vu comme c'est fluide, frère ? On est sur Switch. Hey, je te mens pas, on est sur Switch. Le jeu est ouf. Le jeu est ouf. Et donc du coup, tu peux aller près du feu, reprendre ta vie, hein, évidemment, mais ça respawn les ennemis. Ça fait respawn les ennemis. Donc là, je recommence, en fait. Die and retry. Il arrive. L'esquive, c'est ça, mais c'est tout pourri, ça. L'esquive. J'ai un bouclier de ouf, mec. Je l'ai volé. Au fait, il y avait un marchand et je l'ai tué. Il disait, ouais, voulez-vous acheter ça, acheter ci. Il voulait me faire payer super cher. Moi, je l'ai buté. J'ai ramassé tout son... Voilà, l'esquive, c'est ça. On peut aussi courir. On peut même sauter. En vrai, il y en a plein. Ils m'ont dit, oh, on peut pas sauter dans Dark Souls. Bah si, j'ai réussi à sauter. En fait, il suffit que tu cours. Et tu rappuies sur le bouton de course. Bon, là, je vais pas le faire. Là, il y a des mecs qui sont trois. On va en faire venir un, voire deux. What the fuck? Hop, j'esquive, mais t'as vu comme c'est lent? Il y en a encore un au fond là-bas. Alors le dragon, j'ai pas compris. Hein. J'ai pas compris comment le battre. Tu peux faire un coup fort ou un coup lent. T'as une jauge de fatigue, faut pas l'oublier. Hein. Oh. Ça, c'est un coup critique. Il y en a un là. Il m'a même pas vu, ce bouffon. Je ramasse des âmes. Quand je les tue, les âmes te servent à acheter des trucs et tout. J'espère que t'as mis... Vous avez mis que je streamais Dark Souls sur Twitch. Vous y avez pensé? J'imagine que oui. Oh, le mec, il envoie des bombes, il me saoule, quoi.
Et on profite. Donc là, il y avait l'archer en haut. Et le coup du dragon, je sais pas quoi faire. Vous savez ce qu'il faut faire ou pas? Mais il m'énerve, lui! Crève! Aïe aïe aïe! J'entends des bruits de pas! Alors, donc là, il y a un stuff par terre. Une épée longue. Ouais, c'est bien opti, hein. Y a aucun souci pour ça. Du coup, on va monter. Bon, c'est moi qui bouge la caméra comme un troublion. En vrai, elle est bien. Donc là, il y avait le boss, le démon taureau, je l'ai flingué. Salut Caroline! J'ai fait du rangement chez ma mère cet après-midi, j'ai retrouvé mon collecteur Demon Soul sur PS3. Oh là là! Ça, c'est stylé par contre. Au début, j'avais froid au dos. Faut que je lise vos messages, hein, les gars. C'est la dèche. Je vais essayer de passer le truc du dragon, là. Ah, vous voyez, on peut sauter, hein. Là, je vais descendre. Hop. C'était là, là il y a une porte. Alors à droite, il y a un mec qui me parlait là. Alors lui là, il me dit oui, fais gaffe à toi et tout. Il regarde le soleil. Alors, regardez le panorama du jeu quoi. Je suis désolé, mais le jeu tourne trop bien. On est sur Switch quoi. C'est une tuerie quoi. Regardez-moi ça, c'est trop bien modélisé quoi. Le jeu est magnifique hein. Je suis désolé, la DA elle est incroyable. Je suis désolé quoi, même la végétation et tout quoi. Je suis désolé, il est trop propre ce jeu. On est sur Switch, allô? Très bien, je suis depuis combien de temps, Sam? J'ai pas compris, mec. Tu me demandes à moi depuis quand t'es là? Mais j'en sais rien. Le dragon, il va tirer, cet enfoiré. Je sais pas à quel moment il tire. Lui, je vais l'esquiver, sa race. Il tire! Oh! Je suis allé en dessous. Et les mecs qui sont morts par le dragon, je récupère leurs âmes. Je suis vraiment un escroc. Ah, je suis content d'avoir avancé, en fait. En vrai, là, j'ai avancé dans le jeu, quoi. Il fallait aller en bas, en fait. Ah ouais, mais si je remonte, là, je vais me faire fumer. Il y a un mec qui descend, là, on est d'accord. Ah ouais, un squelette. Et les cinématiques aussi dans le jeu sont incroyables. J'ai halluciné, je fais « What the hell ?» On est vraiment sur Switch, là. Vas-y, tu descends, mec, je t'attends. Alors, tu viens, gros, on va se battre. La caméra est dans les choux. Vas-y, descends, gros noob. Ouais, sinon, tu sais quoi, mec? Ah, t'es mort! Ah, mais ils sont trop forts en DA, From Software. Ah, mais non, mais... Après, c'est un jeu japonais, hein, les gars. Ça vient du Japon, hein, ce jeu. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Loué soit le soleil. Attends, c'est pas où? Il y a la queue du dragon là, c'est moi aussi. C'est normal? Je dois faire quoi? Même à s'inscrire sur Switch est très propre, ça. Ouais, tout à fait, hein, j'en ai fait une vidéo. Oh! 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 Oh, je suis mort! Oh non, mais. Voilà! Voilà Dark Souls! Voilà! Le jeu qui fait le plus rager. Et là, je vais retourner au début, au feu, je vais devoir me retaper les mecs, tout, remonter, machin. Voilà, c'est ça le jeu. Tu avances petit à petit, petit à petit, petit à petit, au fur et à mesure. Voilà, c'est ça le jeu.